À 6h56 sur Virgin Radio, je suis en mesure de vous dire qu'on vous aime et qu'on est content d'être avec vous de 6h à 9h tous les jours. On est le mercredi 24 octobre et c'est le répondeur de la vanne. C'est encore votre moment sur Virgin Radio dans Hanouna le matin. Petit répondeur de la vanne dédicacé à un auditeur qu'on adore, c'est Jérôme des deux culs. Ah, bon, après, celui qui nous laisse vraiment les deux culs à chaque fois. Alors c'est pas son nom de famille, des deux culs. C'est pas une région non plus. Non mais je vous le dis, allez, on... Il y a Patrick des Deux-Sèvres et Jérôme des Deux-Culs. On l'écoute. Oui, bonjour, c'est Jérôme pour la vanne. Donc voilà, c'est deux culs, ils se parlent. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et puis l'autre répond, Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on a connu Jérôme. On a fait la connaissance de Jérôme sur cette blague. C'est pour ça qu'on l'appelle le Jérôme des deux culs. Et donc, depuis ce jour, à chaque fois qu'il nous laisse une blague, il se présente comme Jérôme des deux culs. Donc il nous a laissé deux nouvelles vannes. La première, c'est une devinette. Oui, bonjour, c'est Jérôme des deux culs. Bon, alors j'ai une petite devinette pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est un spermatozoïde avec deux valises? C'est un représentant de mes couilles. J'adore Jérôme. Mais moi j'adore Jérôme. Jérôme des deux culs. T'imagines maintenant dans sa famille et tout, il vient Jérôme des deux culs. C'est sûr qu'il vient la soirée ou pas? Oui, vraiment, oui. Tu veux que je te laisse ton nom à l'accueil ou pas? Ouais, il y aura Jérôme des deux culs qui va venir. Hein. Et Jérôme finit en beauté avec une blague comme on les aime, la blague du lapin. Salut, c'est Jérôme des deux culs. Bon, alors c'est un père, c'est du cuisiner du lapin. Et puis bon, il ne veut pas le dire à ses enfants parce que ses enfants, ils adorent cet animal. Donc du coup, il leur dit rien, tout ça. Puis il passe à table et puis d'un coup, tu as la petite fille et son petit frère. Tu dis, papa, qu'est-ce que c'est bon, hein? Puis le papa, tout pimpant et tout, il dit, je peux pas te le dire, mais allez, je te donne une dix. Ta mère, des fois, elle m'appelle comme ça. Puis là, d'un coup, c'est la petite fille, elle s'étouffe. Que le tape dans le dos de son petit frère, elle dit, arrête, on crache tout, c'est du trou du cul. Je m'y attendais un peu, mais c'est drôle. J'adore, elle est magnifique, ça. Et puis avec le petit accent de soleil, ça sort de tout. Elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est excellente. Merci Jérôme, des deux culs. Allez, on se fait ici, j'en viens chez nous. C'est le carton du moment. C'est chez nous. Et qu'est-ce que je l'aime. Allez, on recrache nous. C'est nous trou du cul.